Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'un jeu qu'une personne m'a proposé d'essayer. Ce jeu s'appelle Goddess Primal Chaos. Voilà. Et du coup, j'ai jamais joué à ce jeu-là encore. Du coup, je vais le tester. Et puis, j'ai attendu de jouer à ce jeu-là pour en vidéo pour vous montrer. Ça charge. Bon, quand même, il y a plusieurs étapes de chargement parce que c'est déjà mon troisième chargement à faire. Alors, j'espère que ça va pas me bouffer toute ma mémoire de ma tablette parce que si jamais je dois arrêter ma vidéo en plein coup, en plein tournage, ça doit être saoulant parce que ça doit être. Mon troisième téléchargement. Au début, c'était un 200 bien 200 mégaoctets. Après, c'était un 13 mégaoctets. Maintenant, ça devient un 80 mégaoctets. Du coup, j'espère que ça va marcher correctement après. Que ça va pas couper en plein milieu à cause d'un problème de stockage. On va voir après. On va voir ça. Je vous retrouve dès que ça finit de charger, hein. Bon, c'est bientôt fini là, il manque plus que 99% et voilà. Alors, cherchant des traces des démons, voilà, ça c'est le. Ouh là là, par contre le. Voilà. Alors, la chance est pour choisir les combattants. On va prendre ça, on va dire. Hop là. Du coup, c'est couvert les lignées, les avocateurs, les guerriers. Fonction, taux de qualité. Voilà, on a toutes les. Voilà. On a les descriptions. Voilà. On va mettre entrée. Enfin, moi j'ai pas choisi le plus seulement parce que je m'en fiche un petit peu du nom. Moi je m'en. Voilà quoi, c'est pas. Du coup, il y a un petit diatessel pour savoir comment. Voilà. Ah, j'en ai marre. Ah! J'aime pas quand ça fait ça sur les tables. Oui, d'accord. Voilà. Normalement, il y a une flèche qui me suit. Et puis hop là. Alors, des futurs Scody, les ennemis les plus féroces du monde ont été scellés dans le temps et l'espace. Ils ne doivent pas être libérés ou nous nous retrouverons avec une situation ingérable. Ah, je vois. Maintenant, je vais réinitialiser le pont de pour vous donner accès pour voyager vers le futur. Hop. C'est vrai que c'est bien fait, hein. Alors là, le graphisme. Du coup, hop, il faut aller là, apparemment. Il y a les flèches qui nous indiquent. Les esprits démoniaques vont et viennent, piégés en l'espace et le temps. Ne les laissez pas vous avoir. Tapez sur le. Hop, ah oui, ok. Ok. Il a l'air pas mal ce jeu, hein. Ouais mince. Cible verrouillée. Ah mais. Oh, il a l'air pas mal ce jeu. Sérieusement là, vous ils vont. Je suis le maître du temps et de l'espace, amoureux du chaos. Je suis le dieu qui amènera la destruction. Là, je suis. C'est vrai que c'est long. C'est super. Non, c'est super. Ça, c'est plus rapide. Le. Ouh là là. Ouh non non. Ouh là là. Oh, attends. Attends. Qu'est-ce.
Ah, c'est bon, c'est compliqué de commander ce truc là. Hop. Voilà. C'est quoi ça? Alors là, j'imagine que. Hop là, ouh là là là. Ouh là là. Il y a mon truc que j'aimais bien. Allez. Ah, vaincu par une fourmi. Impossible. Donc je commence à comprendre le concept du jeu. S'il te plaît, dis-moi tout ce que je dois savoir sur ce monde. Crois-tu le ou non? J'ai peur que l'humanité a été effacée de la planète. Quoi? Alors pourquoi nous battons nous? Nous nous battons précisément parce qu'elle a été effacée, guerrier. Je vais maintenant ouvrir le sceau de l'histoire pour toi. Oh, je suis au niveau 2. Alors. Une bataille. Ok. Ouh là là, je trouve que ça avait bugué. Ah, il y a un petit plan au-dessus qui m'a dit où je suis exactement. En haut à droite de l'écran. Ok, hop. Je vais m'avancer. Oh. Hop là, il manque plus que quelques. Faut vraiment que je m'approche de lui pour avoir plus de dégâts là. Ah. Hop. Ah, il a plus que quelques machins de vie. Moi, je suis quand même loin dans. Hop. Plus que quelques. Voilà. Ah là là. Ah là là. Ok. Alors, tirer une carte, alors hop. Griffe des ténèbres. Taper pour continuer. Hop. Rendu furieux par les atrocités commises par des démons dans le monde terrestre, les dieux ont donné la puissance aux hommes. Ils sont connus pour le nom de guerriers. Alors c'est de là qu'ils viennent. 12 guerriers au pouvoir divin également les démons. Leur combat a secoué toute la terre. Même le paradis a tremblé. Oh, niveau 3. Finalement, les démons se sont retirés pendant des millénaires. Ils n'ont pas mis pied sur le sol divin ou dans le monde terrestre. Des millénaires, les hommes ont même dû oublier comment manier un sabre. Les hommes ont pu oublier. Pas les guerriers. Quand les faibles sont dans le besoin, ils prennent cause vaillamment. Guerrier, prends cette arme et combat encore pour les hommes. Qui est accepté. Hop là. Très bien, celui capable de manier la lame, cristal, dame de démon est le guerrier élu. Je suis un guerrier élu. À part une arme, tu auras aussi besoin de quelqu'un pour t'assister dans ton voyage. Niveau 4, bon, voilà. Je peux alors, elfe de bourrasque, Sif, je peux entendre le vent m'appeler. Est-ce toi, futur guerrier? M'accompagnes-tu dans ce voyage? Accepte d'abord l'épreuve du vent. Ok. Ouh là 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 là. Ouh là là là, vie que je perds là, par contre là, ouh là 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 là. Là, ça va être pas bon là, par contre là, il faut que.
J'ai ma... C'est d'abord l'épreuve du vent. Je reconnais que tu es l'incarnation de l'envoyeur des loups et ce maintenant nouveau maître. Joins à toi, à moi, elfe de bourrasque. À dire mon maître. Oh là là. Niveau 5. C'est quoi ça? Ça c'est... Déployez le héros que vous venez de capturer. Déployé. Elle va maintenant vous rejoindre au combat. Hop là. Mon compagnon elfe est ce... Donc, héros. Les héros sont lui sont créés à travers les parties et les cristaux d'âme de démons. Ok, les démons sont incroyables forts. Incroyablement fort. Alors, les humains ont utilisé des particules d'âme, de démons et de cristaux d'âme de démons pour créer des héros qui peuvent affronter la puissance de l'ennemi. Avec l'aide des dieux et des guerriers, les hommes ne sont pas terrassés facilement. Avec toi au combat, guerrier, je vais ouvrir les portes scellées de l'histoire pour toi. Bon, là, normalement, la bataille. Ouh là là là. Ouh là là. Hop là. Oh, qu'est-ce que pourquoi j'ai mis ça moi? Ouh là là. Hop. Oh yeah. Tapez pour continuer une carte à tirer. Chaussures discrètes. Hop là. Parce qu'ils ont tenu la paix pour... Gaton attend la force des hommes. Alors la défaite apparaît inévitable. Ça me saoule, c'est quoi ça? Hop là, ouais, d'accord. Les hommes ont battu en retrait jusqu'à leur forteresse de Canossa, le siège du pontife. Niveau 7. Eh ben. Renforcer, on renforce. Ah oui. Ok. Les hommes ont mis en pratique leur savoir de la force du fer acquis au travers des millénaires pour commencer à fabriquer des armes qui ont livré au front. Incroyable, des armes plus puissantes. Rien ne peut surpasser l'ingéniosité humaine. S'ils pouvaient faire meilleur usage de leur force, ce genre de tragédie ne se reproduise peut-être pas. Niveau 8. Les hommes ont commencé à invoquer les héros comme des fous jusqu'à ce que Canossa soit à court de cristaux de démons. De là, par désespoir, les hommes ont pris le mauvais chemin et brisé le plus sacré des tabous. Au lieu de dupliquer leur ennemi, ils se sont tournés vers les dieux. Donc on commence la bataille, hop là. Ok, en bronze, ça... Hop là. Hop. Ok. Oh, je jure, le jeu, il a l'air bien, par contre. Hein. Merci à la personne qui me l'a proposé, il a l'air vraiment super bien. Hein. Hop là. En plus, il est bien fait, tout ça, alors là.
Donc il y a une sorte de chat qui est juste en dessous là. Ok, bon, voilà. Oh yeah. Oh super, je trouve vraiment ce jeu, il est vraiment mais bien quoi. Il est pas pris de tête, vraiment, ça c'est vraiment bien. Tentation Atavik. Hop là, alors vraiment c'est vraiment bien. L'arme finale a été infusée avec le sang de démons, la force des dieux et le désir des hommes. Cependant, dans leur poursuite de la puissance absolue, les hommes oublient une chose. S'ils peuvent contrôler ou pas les monstres qu'ils ont créés. Précisément. 9, niveau 9. Apprends des aptitudes avancées, tu en auras besoin pour de futurs combats. Aptitudes avancées? L'aptitude avancée demande plus de temps pour produire, mais sa puissance massive peut changer le cours du combat. L'aptitude avancée recommandée a été sélectionnée. Vous pouvez changer dans différentes situations de combat. Tester la puissance des aptitudes avancées. Ok. Hop. Quel travail formidable, guerrier. Tu progresses rapidement. Au combat, sers-toi de tes aptitudes avancées et notamment ainsi pour accéder à la victoire avec un coéquipier. Tuer. Renversez la tour avec vos soldats, détruisez les ennemis, obtenez des masses. Tapez à l'écran pour continuer. Oh. Détruire la tour défense ennemie puis attaquer leur base. Ah. Aïe 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 aïe. Ah. Ah mince alors. Restruction court. Ok. Là. Oh, mince, hop là. Mais il y a un chat en dessous là. Hop. Ça m'a conduit n'importe où ça. Voilà. Tiens. Quoi? Aujourd'hui, il y a une fille de sa compte qui s'est fait.